salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Dead Rising. Et regardez comme je suis extrêmement beau gosse. Vous savez ce qui va être très drôle, c'est qu'à chaque fois on va venir avec une tenue totalement différente les gars. Et voilà, ça me fait rire d'avance, je tiens à vous le dire. Ça me fait totalement rire d'avance. À chaque fois on va tenter de venir avec une tenue différente. Et advienne que pourra, comme on dit, on verra bien ce qui se passe. Allez, venez les petits pères. Ok, hop, hop. Hop, 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 et voilà, on est bon, allez, ça dégage, je veux plus vous entendre parler. Bon, qu'est-ce qui se passe en coulisses, qu'est-ce qui se passe au poste de police, comme disait un certain... Putain, merde, je l'ai plus, il était de la section d'assaut. Bref, on y va. Oh, waouh, une matraque, non. Ah, ok, ok, va falloir que je revienne ici, hein. Donc en vrai, on va pas trop s'écarter, vous savez quoi, on va juste... tranquillement s'équiper pour la suite de notre aventure, soit l'épisode 6, voilà, l'épisode 5 on a fait la moitié du timer, donc là on va essayer de s'occuper avec l'autre moitié du timer, mais en faisant les choses de manière intelligente. Ok, prenez des photos au meilleur moment grâce à un indicateur visuel supplémentaire. C'est quoi ça? Conserver les articles trois fois plus longtemps. Ok, pourquoi pas. Et conserver les jouets trois fois plus longtemps. D'accord, d'accord. Bon, et là... Oh, putain! Parfait. Ok, il m'a fait si peur. Plus le sujet est grand, et meilleur est la photo. Parfait. Enfin, je t'apprends rien, là, j'imagine. Souris! C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi ce qu'il avait? Un melon? C'est quoi? Souris! Mais attends, what the fuck? Il avait un pamplemousse. Il m'a donné son pamplemousse fétiche. Où est-ce que tu vas? Il est adorable. Okay. Je sais pas trop quoi faire là. On se refait les psychopathes en vrai pour se chauffer? Ça peut être pas dégueu, hein, vous en pensez quoi? Vas-y, let's go. On va se les refaire. Là, il y avait des flics. Oh oui, c'est bien ça. Ils ont, putain, ils ont des matraques. Là. Let's go. J'ai toujours pas compris les livres, si je dois les garder dans l'inventaire ou pas. Écoutez, on verra. On va essayer de voler la sulfateuse directement dans dans le véhicule. Et on va essayer de comprendre pourquoi ils arrivent toujours à se relever en fait. Parce que ça, c'est terrible. C'est terrible. On est par ici. Ok, cette fois-ci vous allez pas m'avoir. Cette fois-ci vous allez pas m'avoir, va falloir avoir des réflexes de titan, je vous le dis. Allez, viens par ici. Putain, il y a un japonais qui est mort. Et ça, ça m'embête, en vrai. Oh ouais, non, putain, c'est trop dur à tuer à chaque fois, en fait. Ça va être trop trop dur à tuer à chaque fois, ça va être terrifiant. Ah, merde, alors. Ah, ils vont être trop chiants. En fait, ils sont littéralement là pour faire de notre vie un enfer dehors. Oh là 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 là. Chier. Ouais, ça m'embête un peu, là. Putain, par contre, il peut pas y avoir plus d'éclairage, même de nuit, on s'en rend. Oh, il m'a fait si peur. Ouais, bon, ça... Oh là 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 là, c'est dur. Allez, il est qu'une heure trente. Ah putain, j'aime bien cet endroit. Vous savez quoi, on va se préparer des petits cocktails. Des cocktails bien sympas, faut en profiter, c'est la restauration. C'est un peu l'endroit où, où les gens dans ce centre commercial se délectent de mets exceptionnels. On a quoi là? Un micro-ondes, très bien. On a... Oh, oh, oh. Alors on va prendre du lait. C'est quoi finalement que j'ai là? Ah, de la glace et du lait. Non, de la glace et... Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la glace? Un yaourt? Un yaourt glacé, je sais pas. On va voir. Ensuite du lait.
Je vais faire un contrôle de la poitrine hein, si ça continue. Hein. Du lait et des bâtonnets glacés. Bonsoir, est-ce que je peux vous servir? Contrôle! Merde, j'ai pas réussi. Allez, dégage. Oh! Un jus sprint. Let's go. Ah, je croyais que c'était un bâton, mais pas du tout. C'est une baguette. Une French baguette. Mmh. Ok, bah on mange. Allez, très bien. Écoutez, on est plutôt pas trop mal. Peut-être récupérer mon guns. Qu'est-ce que c'est que ça? Boisson recommandée, un nectar. Allez! J'ai même pas fait gaffe! Distance de lancer supérieure. Là, tu me plais, là. Est-ce que j'ai un moyen de voir mes stats en vrai, à la cool? Compétences, ok. Ah oui, 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 il y a moyen. Alors, niveau vie, j'ai la moitié de la vie possible comparé à son maximum. C'est plutôt pas trop mal. Je suis niveau 15. Niveau attaque, c'est un peu catastrophique. Niveau inventaire, on est plus qu'à la moitié. Donc là, ça serait bien que... Il répartit, c'est qu'il me donne un peu d'attaque. Ça serait plutôt cool. Je pense que le prochain niveau, ça sera ça d'ailleurs. Un truc énergisant. Ok. Écoutez, on est pas mal. Hein. Je pense qu'on est bien équipé pour la... Quoi? Beaucoup, beaucoup trop de... Je sais bien qu'on est en Amérique, mais enfin... J'ai envie d'occuper mon temps intelligemment. J'ai envie d'occuper mon temps intelligemment. Donc on va faire le tour des petites boutiques. Histoire, à chaque fois, en fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'à chaque épisode, on revienne voir le mec, mais avec une tenue totalement différente. Histoire qu'ils disent, mais mec, pourquoi tu sors de la salle sécurisée juste pour aller acheter des fringues? Oh, waouh. Ok, ça, je me souviens. Très belle allée. Il y avait des caisses à outs. Très bien. Et on va se dire un truc. On changera de tenue uniquement à chaque fois. Oh non. C'est 2 balles. Oh ah. Okay. Ah. Ok. Ah. Dégage. Ok. C'est une boutique pour femmes. Bah écoutez, pourquoi pas. Ah non, c'est là où on avait sauvé les mecs. Très bien. Merde alors. Comment on va se sortir de là? Ok. Oh, ils sont tellement nombreux. Ok. Bon, ici on a aussi sauvé quelqu'un. Quoi? Non. Comment ça, lorsque plusieurs zombies... Il est tout seul. C'est très dur de s'en sortir. Merde. Parfait. C'est pas ça que je voulais faire. Je confonds toujours R2 et L2. Putain, mais même la moindre chaussure, les gars, ça peut valoir des sacrés bonus de pépeille. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On va rester quand même, un petit peu, tu vois. J'ai peur d'être beaucoup trop sexy pour ces zombies. Ces zombies ne me méritent pas comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Oh, j'aime bien lunettes de soleil aviateur. Ok. Vous croyez que... Non? Je sais pas. Écoutez, je me disais, si on prenait une sorte de monument, une statue ou autre en photo, il y aurait peut-être des bonus assez dingues. Oh putain, les assiettes, c'est très stylé par contre. Regardez. Ouais, c'est plus si stylé que ça. Hein. Ça fait zéro damage en fait. J'en ai combien? Attends, mais ça fait 0 de dégâts en fait! Ok. Un petit lait, en vrai. Ok, superbe.
On est pas mal. J'ai des guns. J'ai des munitions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre hauteur pour prendre en photo tout ça? Imaginez que, les gars, si on revient 15 ans en arrière, à quel point le jeu était quand même assez dingue. Oh, une mitraillette dans la piscine? Pardon? Parfait. Ok. Une mitraillette dans la fontaine. J'ai dit la piscine, pardon. C'est quoi cette dinguerie? Hop. Je suis beaucoup trop chaud. Pascal. Je suis vraiment beaucoup trop chaud. Ça s'ouvre. Yes. Flexin. Petite tenue de sport, les gars. Oh. Ça a l'air pas mal, ça. Je vous promets que ça a l'air pas mal, mais j'ai trop de trucs trop bien. Donne accès à toutes les compétences pouvant être apprises en montant de niveau. D'accord. Écoutez, je vais le garder, ça a l'air réellement pas mal. Parfait. Ok. Oh là là. Mais en fait, il peut y en avoir des... Il peut y en avoir partout, des pépés. Pardon. Je suis un abruti ou... Pardon. Attends, mais il y a trop de photos à faire, là. Parfait. C'est quoi cette dinguerie? Il y a trop de pépés à se faire partout. Les frères. Parfait. C'est ouf. Parfait. Paparazzi. Les tenues débloquées sont dans la salle de sécurité. C'est quoi cette régalade? Encore là? Pardon, j'ai plus de batterie. Parfait. Comment ça, plus de batterie? La batterie est vide, remplacez-la dans un magasin d'appareils photo. Pardon? Un magasin d'appareils photo. Mais où... Où y en a? Un magasin... Il y en a un là. Ça, je savais pas. Ça m'était sorti de la tête. Incroyable. On peut changer la batterie. Projection de judo. Mais non. Ah, c'est grâce à mon livre. Donc, t'es obligé d'avoir le livre sur toi. Ok, très bien. Très, très bien. Écoutez, on rentre à la maison. J'ai un pistolet. J'ai un Uzi. J'ai une tronçonneuse pour le corps à corps. Je suis, je pense, trop trop bien. J'ai de la bouffe, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va rentrer au calme. Et on va se mettre une nouvelle batterie, hein, si je peux me permettre, dans le dans l'appareil photo. Ils sont vraiment très nombreux. J'ai plus de photos, j'ai plus de batterie, mais c'est vide, j'ai vide. Non mais en fait, on va être super attentifs, les gars. Des pépés, il y en a partout. Ça, c'est des harceleurs, ça. Ça, c'est des harceleurs, ça, je reconnais. Ça arrive. Ah, ils mettent une pression, mais constante. Comment je suis trop beau gosse. Ok, ouais, faut vraiment qu'on y aille en plus. Ça tombe très bien. Bon, bah écoutez, on a profité de la nuit pour prendre plein de trucs en photo. On a pris un niveau... donc voilà, c'était pas l'épisode, le début d'épisode le plus intéressant et la meilleure des nuits, c'est sûr. Mais déjà je viens d'apprendre. Oh non, salope. Je viens d'apprendre qu'on peut prendre en photo. Enfin, que on a besoin de batterie pour prendre en photo. Ça semblait logique. Qu'est-ce qui se passe?
Franck. Non mais sérieux. C'est quoi rien. Ce cliché tout pourri, t'as pas honte? Tu sais, je crois que t'es vraiment pas taillé pour ça. Je crois que je vais pas m'en remettre. Ok. Cimer. Cimer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va essayer de me faire ou c'est comment? Qu'est-ce que j'ai là? Regardez. Je peux pas prendre en photo, je vais revenir. Allez, on va chercher une nouvelle batterie et on revient. Pourquoi il s'est moqué de moi gratuitement? Mais c'est tellement méchant. Alors que je suis un reporter de guerre. Bon. Hop, l'appareil photo c'est par ici, c'est ça? Si je ne m'abuse, c'est là-bas. Ou là, je sais pas exactement. Cams, ok, c'est là. S'il vous plaît, des batteries. Des batteries. Ok. On repart en haut. Et on est parti. Excusez-moi. Bon allez, vas-y, c'est pas grave. Parce que ça, c'est vraiment pas mal aussi. L'abeille est réellement pas mal. Oh, waouh! C'est trop bien, ça! Ok. Bah écoutez, on va essayer de regarder là où j'ai pas pu regarder. Et on va tout prendre en photo. Mais c'est trop stylé! Hop. Oh, regardez. Yeah! Aïe, merde! Ok! Mais c'est trop stylé! Ah, mais je suis comme un gamin! Ah, bah Sprint, ça porte bien son nom! On va essayer de rentrer là-dedans. Changer d'apparence. C'est des chaussures. Ouais, une petite chaussure classe là, bien frais chacal. Ah, ça dure pas très très longtemps. Ouais, faut pas abuser des bonnes choses. Non! Non! Je suis trop bête! Des CD. Les CD, je suppose que c'est comme les assiettes. Ça a pas tardé. Yes! Ok. Parfait. Allez, ça fait des PP. Un petit pistolet à eau, ça sert ou pas? Je crois que ça sert à rien, ça fait rien. C'est quoi ça? Non, on va pas abuser les gars. Ok. Ouais, on est mort. On est totalement mort. Écoutez, juste avant de se barrer, je suppute qu'il y a encore des petites photos à prendre un peu sympa. Prendre des photos dans un magasin pour jouer pour enfants, je sais pas si c'est le truc le plus... tu vois ce que je veux dire? C'est sûrement le truc le plus louche que les zombies eux-mêmes n'auraient jamais vu. Donc on va peut-être se barrer de là. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, let's go. Let's go. Oh, on va prendre un niveau comme ça, hein. Franchement, hein. On le gratte ce niveau, hein. En fait, l'avantage, c'est que ça brille bien. Oh, des anciens jouets. Et on va dans le magasin d'anciens jouets, ça doit être cool, non? Voilà. Allez, mon gars. La jauge augmente sale. Oh! Oh! Il me faut un zombie.
Viens prendre photo bonus. Il me faut un zombie. Viens par ici, toi. Mais c'est pas vrai. Parfait. 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 Mais attendez, mais c'est abusé si je prends des photos en boucle comme ça, non? Je comprends pas. Parce que je me disais, quand les photos se ressemblent peut-être un peu trop, à la limite. Parfait. Quand même, tu vois, on fait du 600, hein. Oh, magasin de guitare. Let's go. Et une photo à prendre au-dessus. Parfait. Ouf, 5000, ça... Ouais, 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 ouais. Ça régale, là. Un petit peu de guitare. Oh non, mais c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Ok. Bon, je pense qu'on a pris... Il y a beaucoup trop de photos à prendre. Les gars, quand on rentre dans un magasin, faut vraiment faire un large tour. Un large tour de caméra, parce qu'il y a énormément de photos à prendre bonus. Et ça régale. Et j'avoue que j'y pensais pas jusque-là. Mais c'est un peu la folie. Donc, faut qu'on arrête de passer à côté. Ouais, je vous parle comme si vous jouiez avec moi. C'est vrai, mais est-ce que c'est pas ça un peu, finalement? Tiens. Hop, je croyais qu'il y avait un verre, alors. Vu que de nuit, on voit que dalle. Non, ça, c'est la librairie, on est déjà venu. Et là-bas, il n'y a rien d'autre. Très bien. Eh ben, écoutez, on est plutôt pas mal. On se barre. On se barre parce que ça commence à être un petit peu tendu. Tendu tendax. Donc, on va aller buter. Oh, par contre, ce couteau, mon pote. Le couteau a l'air pas mal, hein. J'ai pas fait autant de victimes que ça jusque-là, hein. Putain, j'ai envie de faire une prise de judo. Ok. Bon, on va tous se les faire. Je sais pas si ça rapporte de l'XP, mais enfin. Les gars, je suis sûr. Oh là, je le sens. Y'a pas quelque chose là-haut, là, caché? Une TV? Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal parce que c'est un peu vieux. Oh, 32, c'est nul. Oh yes. Parfait. Allez, j'ai tout ce que je voulais. À la limite... Oh waouh. De quoi se ressourcer un petit peu plus loin. C'est trop stylé, mais quoi? Regardez les gars. Prise de judo. Hey. Ça, c'est un truc de film. Hein. Ça, je vous le dis, c'est un truc de film d'horreur. Hein. Ok, allez, go. Ça commence à être ric-rac. Ric-rac niveau life. Life is life. Y a pas un petit truc à prendre en photo sympa, là? Pourquoi pas, en vrai? Ce serait pas mal de visiter ce toit. Au moins, c'est fait. Je peux faire quoi avec ça, par l'envoyer? Je comprends pas. Là, il y a une autre sortie slash entrée. Je sais pas exactement où ça mène. Aucune photo à faire ici. Très bien, juste des balles. Je me dis peut-être... Non, je sais pas. Ah, ça doit rebondir partout. Putain, ça doit être super, ça. Ça doit être très fun. Ça fait du bien quand il fait jour aussi. Hein. Ça fait vraiment du bien. Ok. Bon, écoutez... Et plutôt pas trop mal. Je peux parler à Brad, mais moi, ce qui m'importe, c'est manger. Mmh. Et il a mangé dans ma tête. Voilà. Ok. M'a gâté, on fait quoi? Des zombies. On spawn? La vache. Comment c'est possible? Ah, oh, Edor.
prendre quelqu'un en photo, c'est très bizarre, mais enfin, je me dis peut-être. Ok. Il est où le vieux? Il est forcément ici. Non? Le vieux? Le vieux? Bien. Ok, ça va, mon David? Merci infiniment. Y a pas de souci, mon gars. T'es magaté, mon David. T'es magaté. Lui, je l'ai sauvé avec amour, hein. Faut vraiment le savoir. Bon, écoutez, on peut avancer le temps, on peut se permettre. Et au moins, on n'aura pas fait un épisode totalement à vide. Parce que, bon, niveau XP, regardez quand même, on a bien farm. Donc, on va avancer un petit peu, direction 6h, direction notre rendez-vous. Et on est très très bien. On est très très bien. Avancer le temps, avance rapide. Si je fais avance rapide, ça fait quoi? Stop. Je comprends pas. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague! Je suis obligé de charger. On est d'accord. Non mais attendez, oh. Bon. Putain, on peut vraiment louper. En gros, faut vraiment pas louper. Mais c'est terrifiant. Rendez-vous dans la salle de sécurité. Alors comment on va faire? Bon bah on fait une petite avance de temps, allez. Voilà. Oh, heureusement que j'essaye avant, mais heureusement que j'ai une intelligence débordante. Let's go. Ah, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, avant que tout ça commence, quelqu'un a appelé le professeur et lui a donné rendez-vous ici. Vous l'aviez mis sur écoute. C'est lui qui l'a appelé, ce type-là? Ils ont quelque chose à voir avec les zombies, c'est ça? C'est justement pour ça qu'on est là. Et s'il disparaît avec le professeur, on n'aura pas de réponse à nos questions. En cours, dossier 2-1. Ah, mais en fait, j'ai même... putain, j'ai même avancé le temps de 30 minutes quasi en plus. Putain, on a perdu 30 minutes, ça m'embête là, par contre. Très bien. S'il arrive quelque chose au professeur, on pourra faire une trace sur l'enquête. On va save et on s'arrête là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien et à bientôt pour l'épisode. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. 5, me semble-t-il. 6, non, 5, peut-être. 6, je dirais 6. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.